Je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto. Je porte un pull d'une douceur incroyable et vous allez pouvoir le tricoter avec moi puisque dans cette vidéo je vous montre comment le tricoter. C'est un bon basique à tricoter dans tous les coloris possibles. Vous allez l'adorer. Il est adapté aux débutants. Sa construction est très simple. C'est une construction en yoke, donc avec un empiècement. Il se tricote du haut vers le bas, sans couture. Je vous le propose de la taille XS à la taille 2XL, regroupée en trois tailles. Je porte la taille 1 qui correspond à la taille XS S. Retrouvez comme d'habitude le guide détail dans la description de la vidéo. Je l'ai tricoté avec ma qualité préférée de chez Drops. Il s'agit de la brush Alpaca Silk, un fil très doux, très agréable à porter et à tricoter. Mes pelotes viennent de la boutique Calidou. je vous indique le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai tricoté le coloris numéro 35. Il se tricote avec des aiguilles de 4 mm en fil simple, donc avec un fil de brush à silk. L'échantillon est de 20 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Vous allez voir, il est vraiment très facile à tricoter, alors je vous souhaite de très bons moments tricot. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous Tricoter ce modèle, il vous faudra des pelotes de brush alpaca silk de drops, 7 pelotes pour la taille 1 qui correspond à la taille XSS, 10 pelotes pour la taille 2 qui correspond à la taille ML et 13 pelotes pour la taille 3 qui correspond à la taille XL 2XL. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour le guide des tailles. Vous aurez également besoin d'aiguilles circulaires de 4 mm et 3,5 mm pour les côtes. J'ai utilisé un câble de 80 cm et il vous faudra également un anneau marqueur L'échantillon est de 20 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. On va commencer par monter les mailles du col avec nos aiguilles de 3,5 mm. Vous pouvez monter vos mailles avec un petit câble de 40 cm par exemple. Ce sera plus facile pour joindre le tricot en rond. on utilise la broche d'alpaca-silk en fil simple je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille vous pouvez choisir la technique de montage que vous préférez mais choisissez un montage qui soit élastique pour ma part j'utilise la technique du german twisted caston un montage que vous avez souvent vu dans mes vidéos une fois qu'on a terminé de monter nos mailles on va placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang ce marqueur sera placé au milieu du dos on joint le tricot en rond en faisant attention à ne pas vriller nos mailles et puis on va tricoter un col en côte alors, pour les côtes, c'est comme vous voulez. Soit vous faites des côtes 1-1 normales, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, ou bien des côtes torses. C'est ce que je vais faire pour ma version. Pour les côtes torses, on va tout simplement tricoter les mailles endroit par le brin arrière. Une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Voilà notre col terminé avec 3 cm de côte. Voilà ce que ça donne avec des côtes torses. On va maintenant passer sur des aiguilles de 4 mm pour tricoter notre empiècement. Je vous montre mon kit d'aiguilles. Donc j'utilise le kit de chez Drops. C'est le Pro Romance. Ce sont des aiguilles interchangeables en bois. Donc c'est très pratique quand on doit changer d'aiguille comme maintenant. On a juste à desserrer avec ce petit outil. Avec nos aiguilles de 4 mm, on va tricoter notre empiècement en commençant par un rang d'augmentation. Pour ce premier rang d'augmentation, on va répéter pour toutes les tailles deux mailles endroit, une augmentation. Pour faire une augmentation, on va récupérer le brin qui se trouve entre nos deux mailles, donc ce brin-là, on le place sur l'aiguille de gauche. Et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Une augmentation. Et on répète sur tout le rang deux mailles endroit, une augmentation. Voilà pour ce premier rang d'augmentation. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce premier rang d'augmentation. Nous allons maintenant passer à l'étape de la réhausse. Nous allons faire des rangs raccourcis à l'allemande. Cette étape est très importante pour permettre de creuser notre encolure et donner une forme comme ceci à notre col. C'est-à-dire avec le devant du pull plus bas qu'au niveau du dos. Cette étape est très importante pour avoir un pull confortable. Rappelez-vous, notre petit marqueur de début de rang, c'est le milieu du dos. Donc là, on va tricoter en aller-retour on va faire des rangs raccourcis à l'allemande afin d'avoir plus de jersey au niveau du dos que sur le devant de notre pull pour creuser notre encolure. C'est parti pour l'étape de la réhausse. Premièrement, on va tricoter 38 mailles pour la première taille, 42 mailles pour la taille 2 et 46 mailles pour la taille 3. Ensuite, on tourne. On se retrouve sur l'envers. Toujours en gardant notre fil devant, on va glisser la première maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Et là, on va faire une maille double. Pour faire une maille double, on emmène le fil à l'arrière et vous voyez qu'il y a deux brins qui se forment sur notre aiguille. C'est une maille double. On emmène le fil à l'arrière et on le ramène à l'avant. Pour tricoter nos mailles à l'envers, jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang, on glisse le marqueur et on va faire la même chose de ce côté. C'est-à-dire qu'on va tricoter 38 mailles en vert pour la taille 1, 42 mailles pour la taille 2 et 46 mailles pour la taille 3. Ensuite, on tourne, on se retrouve sur l'endroit, on passe notre fil à l'avant et là, on va faire une maille double. On glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite et pour faire une maille double, on va emmener le fil à l'arrière. Vous voyez qu'ici, une maille double s'est formée. On tire le fil à l'arrière et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Voilà pour notre premier rang raccourci. On va maintenant tricoter à l'endroit jusqu'à notre maille double. Vous voyez ma maille double, elle est ici. On la voit bien avec ses deux brins. Donc on tricote à l'endroit jusqu'à la maille double. Ensuite, on va tricoter la maille double à l'endroit en prenant bien les deux brins de la maille double. On tricote trois mailles à l'endroit et on tourne. On fait une maille double, on garde toujours le fil à l'avant. On glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière et on le remène à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. Et on fait la même chose de ce côté. Donc on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à la maille double. Je suis arrivée à ma maille double, on la voit bien avec ses deux brins. On tricote la maille double en prenant bien les deux brins. On tricote trois mailles à l'envers. Et on tourne. On garde le fil à l'avant. On fait une maille double, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. On va répéter maintenant ce rang raccourci qu'on vient de faire encore trois fois pour toutes les tailles. C'est-à-dire que là, on va tricoter à l'endroit jusqu'à notre maille double. On tricote la maille double en prenant bien les deux brins, trois mailles en droit, on tourne. On tricote à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. On tricote à l'envers jusqu'à la maille double. On tricote la maille double en prenant bien les deux brins. Trois mailles envers on tourne. Et on tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. On fait cet aller-retour encore trois fois pour toutes les tailles. L'étape des rangs raccourcis est maintenant terminée. Vous voyez qu'on a plus de jersey sur le dos et puis au niveau du devant, on n'a pas du tout de jersey. Donc si on place notre encolure, on voit que le devant du pull est plus bas que le dos. On va continuer à tricoter notre empiècement. On va tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur de 5 cm pour le jersey. Mais attention, il faudra prendre votre mesure sur le devant du pull et non pas sur le dos, puisque vous voyez qu'on a plus de jersey au niveau du dos, comme on a fait les rangs raccourcis. Donc on tricote en jersey jusqu'à obtenir 5 cm de jersey, mesure prise sur le devant du pull. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un petit marqueur amovible comme ça. Sur le devant du pull pour vous faire un repère, donc juste en dessous des côtes, vous placez un petit marqueur, comme ça, ça vous fait un repère pour prendre vos mesures pour l'empiècement. Donc là, on tricote en jersey jusqu'à obtenir une hauteur de 5 cm, mesure prise depuis le devant du pull, depuis notre marqueur, et sans compter les côtes, on ne compte pas les côtes. Dans nos 5 cm. J'ai tricoté mes 5 cm de jersey, mesure prise sur le devant du pull et sans compter les côtes. On va maintenant passer au deuxième rang d'augmentation. C'est parti pour le deuxième rang d'augmentation. C'est comme le premier rang, on répète deux mailles endroit, une augmentation. Sur tout le rang, deux mailles endroit, une augmentation. Et je vous indique le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce deuxième rang d'augmentation. Et on va continuer à tricoter en jersey jusqu'à obtenir cette fois-ci 10 cm de jersey. Mesure prise toujours sur le devant du pull. Donc si vous aviez placé un petit marqueur, vous prenez votre mesure depuis le petit marqueur sur le devant du pull. Donc 10 cm de jersey sans compter les côtes pour toutes les tailles. Une fois qu'on a terminé de tricoter nos 10 cm de jersey, on va maintenant passer au troisième rang d'augmentation. Pour ce troisième rang d'augmentation, on répète. 3 mailles endroit, une augmentation jusqu'à la fin du rang et pour toutes les tailles. 3 mailles endroit, une augmentation. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce troisième rang d'augmentation. Et une fois qu'on a terminé ce troisième rang d'augmentation, on va continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir cette fois-ci 15 cm de jersey, mesure prise toujours sur le devant du pull, sans les côtes, donc 15 cm de jersey. Pour toutes les tailles. Une fois qu'on a tricoté nos 15 cm de jersey, il est temps de faire notre quatrième et dernier rang d'augmentation. Pour ce quatrième rang d'augmentation, on va répéter 4 mailles endroit, une augmentation. On répète sur tout le rang pour toutes les tailles 4 mailles endroit, une augmentation. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce quatrième rang d'augmentation. Après ce quatrième rang d'augmentation, on aura terminé les augmentations de notre empiècement. On va maintenant continuer à tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale du jersey, donc sans compter les côtes toujours sur le devant du pull, de 20 cm pour la taille 1, 23 cm pour la taille 2 et 26 cm pour la taille 3. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre empiècement en jersey, on va passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. On va mettre les mailles des manches en attente pour les tricoter plus tard. Vous aurez besoin de Scooby-Doo comme ceci ou encore un reste de laine pour mettre les mailles en attente. C'est parti pour l'étape de la séparation. Donc là, notre petit anneau marqueur de début de rang est toujours situé au milieu du dos. On va donc commencer par tricoter les mailles du demi-dos. On commence par tricoter 47 mailles pour la taille 1. 58 mailles pour la taille 2 et 60 mailles pour la taille 3. Donc ça c'est les mailles du demi-dos. Ensuite, on va placer les mailles de notre manche gauche en attente sur un reste de laine ou encore un scoubidou. Vous allez placer en attente 71 mailles pour la taille 1, 72 mailles pour la taille 2 et 75 mailles pour la taille 3. Si comme moi vous utilisez un Scooby-Doo pour mettre vos mailles en attente, je vous recommande de compter les mailles que vous devez mettre en attente et de placer un petit marqueur. De cette façon vous allez pouvoir placer vos mailles en attente facilement sur votre Scooby-Doo puisque vous allez jusqu'au petit marqueur. Et ici, je sais que j'ai le bon nombre de mailles. Ensuite, on va monter des nouvelles mailles sous le bras. On va monter 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 nouvelles mailles pour la taille 2 et 16 nouvelles mailles pour la taille 3. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on lâche. Et au milieu de vos nouvelles mailles, vous allez placer un anneau marqueur qui sera notre nouveau marqueur de début de rang. Donc vous placez ce marqueur au milieu des nouvelles mailles montées. Ensuite, on tricote les mailles du devant. On tricote 94 mailles pour la taille 1, 115 mailles pour la taille 2 et 120 mailles pour la taille 3. Ensuite, on place les mailles de notre deuxième manche en attente. Toujours 71 mailles pour la taille 1, 72 mailles pour la taille 2 et 75 mailles pour la taille 3. On monte les nouvelles mailles sous le bras, 6 mailles pour la taille 1, 10 mailles pour la taille 2 et 16 mailles pour la taille 3. Et puis on tricote les mailles de notre deuxième demi-dos, il doit vous rester 47 mailles pour la taille 1, 58 mailles pour la taille 2 et 60 mailles pour la taille 3. On tricote les mailles de notre demi-dos jusqu'à notre ancien marqueur de début de rang qu'on va retirer puisque maintenant notre nouveau marqueur de début de rang c'est celui-ci, il se situe sous la manche gauche. Donc là, on peut retirer notre ancien marqueur de début de rang qui était au milieu du dos. Et on continue à tricoter le corps de notre pull en jersey, donc en rond, toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à obtenir une hauteur d'environ 26 à 30 cm selon votre taille mesure prise depuis sous la manche ou la hauteur désirée moins 5 cm puisque nous allons tricoter 5 cm de côte en bas du corps. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre pull en jersey, on va passer sur des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter les côtes. Pour ma part, j'ai tricoté 26 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras pour déterminer la bonne hauteur de jersey pour le corps de votre pull. N'hésitez pas à l'essayer régulièrement afin de vérifier la bonne hauteur. Avec nos aiguilles de 3,5 mm, nous allons tricoter maintenant 5 cm de côtes. Pour les côtes, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tricote environ 5 cm de côte ou la hauteur souhaitée. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on va tout simplement rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat classique bien souple. Le corps de notre pull est maintenant terminé. On va pouvoir tricoter les manches. Pour tricoter les manches, on va donc replacer les mailles qui sont en attente sur notre aiguille. N'hésitez pas à utiliser votre méthode préférée pour tricoter les manches, soit comme moi en Magic Loop, avec un câble de 80 cm ou encore des aiguilles mini circulaires ou des doubles pointes. On replace les mailles des manches sur nos aiguilles de 4 mm. Souvenez-vous, lors de l'étape de la séparation du corps et des manches, nous avions monté des nouvelles mailles sous les bras. On va commencer par relever ces mailles et puis moi j'aime bien relever deux mailles supplémentaires sur les côtés, vous voyez ici dans le jersey, pour éviter la formation de petits trous. Et puis au rang suivant, nous allons diminuer ces deux mailles supplémentaires. Vous aurez besoin d'un anneau marqueur pour indiquer le début du rang qui sera placé sous la manche au milieu des mailles relevées. Premièrement, on va déjà relever les mailles sous le bras plus deux mailles supplémentaires, donc une maille de chaque côté dans le jersey. Et puis on va placer un anneau marqueur au milieu. On commence par relever une maille supplémentaire dans le coin, ici dans le jersey. Et puis vous allez relever 6 mailles pour la taille 1, 10 mailles pour la taille 2 et 16 mailles pour la taille 3. En plaçant un anneau marqueur au milieu des mailles relevées. Je place un anneau marqueur et je continue. Et pour combler ce grand espace qu'on a entre nos deux mailles, on va relever encore une maille supplémentaire dans le coin, donc dans le jersey. Ensuite, sur notre premier rang, on va diminuer les deux mailles supplémentaires qu'on a relevées sur les côtés. Pour cela, on tricote les mailles de notre manche jusqu'à 3 mailles du marqueur de début de rang. Je suis arrivée à trois mailles du marqueur. On va faire une diminution de ce côté-là en tricotant deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille en droit. On glisse le marqueur une maille endroit et une diminution également de ce côté-là, deux mailles ensemble à l'endroit. De cette façon, nous avons donc diminué les deux mailles supplémentaires que nous avons relevées sur les côtés. On continue à tricoter notre manche en jersey en rond, toutes les mailles à l'endroit. Et on tricote une manche sans diminution, c'est-à-dire une manche bishop jusqu'à obtenir environ 40 cm mesure prise depuis sous l'emmanchure et puis on fera des diminutions juste avant de tricoter le poignet pour avoir un poignet resserré. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre manche en jersey, n'hésitez pas à essayer votre pull pour déterminer la bonne longueur de votre manche. Pour ma part, j'ai tricoté 40 cm, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Nous allons maintenant faire un rang de diminution avant de tricoter le poignet. Pour tricoter ce rang de diminution, pour la taille 1, vous allez commencer votre rang de diminution par 3 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit pour la taille 2 et 1 maille à l'endroit pour la taille 3. Et ensuite, pour toutes les tailles, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. On répète 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. Après ce rang de diminution, on va obtenir 38 mailles pour la taille 1, 40 mailles pour la taille 2 et 46 mailles pour la taille 3. Après ce rang de diminution, on va passer sur des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter un poignet en côte. Et on répète une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on va tricoter un poignet en côte d'environ 5 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Pour tricoter le poignet, moi je suis repassée avec la méthode du Magic Loop, vous voyez, avec un câble de 80 cm. Ça c'est la méthode que j'utilise le plus. Comme je tricote la taille 1, j'ai que 38 mailles sur mes aiguilles pour mon poignet. Le nombre de mailles ne couvrait pas toute mon aiguille mini circulaire, donc c'était un petit peu difficile avec cette méthode. Et une fois qu'on a tricoté les côtes du poignet, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat classique bien souple. Et il nous reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon. Et voilà, notre pull plume est maintenant terminé. Bravo à tous! J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des nouveaux tutos. Il vous reste maintenant plus qu'à le tricoter dans plein de coloris différents et même pourquoi pas avec des rayures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!